internautes, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment je fais sécher mon houblon. Donc j'en ai déjà fait hier. Là il y a l'autre partie qui est dans la sécheuse, la déshydratateuse. Voilà. Et ça finit comme si. Hop, comme cela. Donc là, vous pouvez bien l'entendre, c'est bien sec. Je mets du riz dedans, dans le fond, pour l'humidité. Puis ça sent très bon. Voilà. Le riz, vous voyez, il est en dessous. Et là, je vais en récolter pendant une semaine. Donc, c'est du houblon naturel, sauvage. Il sent très bon. Quand je vais m'en servir pour faire la bière, je vous ferai une petite vidéo. Alors, je fais aussi ceci. Là, il y a des bolets, des cèpes et des pieds bleus. Donc, ils ont été bien séchés. Et maintenant, ils sont avec du riz à l'intérieur. Voilà. C'est la récolte d'aujourd'hui. Et j'ai aussi récolté. Wow. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est des langues de bœuf. Donc je vous en sortir une. Voilà. C'est très bon ça. J'en ai trouvé 5-6. Donc ils vont être faits demain. Voilà, la vidéo est finie. C'était une courte vidéo. Donc si vous voulez des commentaires ou vous voulez connaître des lieux pour trouver des bolets et des cèpes, moi je partage. La forêt appartient à tout le monde. Près de chez moi il y a énormément de champignons. Donc s'il y a des picards ou qui sont dans la zone qui veulent des bolets et des cèpes, je peux même les accompagner et leur montrer. Du houblon, si vous voulez en ramasser, tardez pas trop parce que la saison est en cours, ça ne dure pas non plus longtemps. Donc vaut mieux la ramasser quand le bourgeon, quand le houblon est fermé. Comme ça, le pollen reste enfermé en fait. Et quand ça sèche, le pollen est en fait emprisonné à l'intérieur. C'est le mieux. On travaille tous différemment. Moi, c'est ma technique. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Merci.